En Bretagne, on l'appelle juste Denez. Denez Prigent est né en pays de Léon, près de Roscoff, sur des terres légendaires d'aventuriers et de corsaires. Révélé sur la scène des trans musicales de Rennes, il est depuis 30 ans l'une des grandes voix de la culture celtique. De Ridley Scott à South Park, de rythmes électro en rap américain et doudou carménien, sa musique s'est frottée à tous les univers. Mais l'auteur, compositeur et interprète reste passionnément attaché aux chants bretons ancestraux et à leur force cathartique. Passeur de temps, fil mélodique entre la vie et la mort. Le thème de la mort est très présent en Bretagne. C'est un peu générique ce que je vais dire, mais elle fait partie de la vie. C'est vrai, il n'y a pas de, de grande différence entre les, les vivants et les morts en Bretagne. Il n'y a pas cette peur de la mort. Il n'y a pas cette peur de la mort parce que... Le breton sait que la vie n'est qu'un passage, qu'après la vie, il y a une autre vie, et souvent meilleure pour celui qui a été bon. Ici, je ne sais pas si c'est lié à ce côté péninsulaire, au côté granitique de la Bretagne, ce côté magnétique, mais il y avait un rapport entre le, les bretons et, et l'au-delà, le monde invisible, qui était très fort. Les hommes, d'ailleurs, euh, interrogeaient souvent les animaux euh, sur, le, sur le passé ou sur l'avenir, sur euh, ce qui est arrivé, sur ce qui va arriver. L'animal avait une dimension sacrée, il avait une connaissance de l'au-delà de l'invisible de que l'humain n'avait pas. Il y a beaucoup de rituels d'ailleurs, notamment liés à la mort. Dans les veillées funéraires, avant d'enterrer un mort, on le met dans une pièce, la plus belle de la maison généralement. Les femmes viennent le veiller le mort pendant trois jours. Elles récitent des incantations mi-païennes, mi-chrétiennes, qu'on appelle des grassous. À l'époque, en Bretagne, autrefois, il y avait des gens qui étaient payés pour le faire, qui étaient rémunérés pour le faire. Et des femmes, bien sûr, qui passaient, de, qui passaient leur vie en fait à faire des, des veillées mortuaires. Je pense que ces incantations étaient là pour accompagner le mort. Euh, souvent, il y avait des, des morts qui n'avaient pas souvent conscience euh, qu'ils étaient morts. Il leur fallait un certain temps pour réaliser. Donc, ces incantations étaient faites pour, pour, pour lui signaler, pour lui faire remarquer que son âme, euh, voilà, elle était peut-être enfermée encore dans cette pièce, mais... Voilà, petit à petit, il fallait qu'elle qu quitte son corps, qu'elle quitte le monde du vivant pour qu'elle aille vers la lumière. Et après, la Toussaint, en Bretagne autrefois, on, on faisait un repas. Et lorsqu'il y avait eu un mort dans l'année, il y avait une place qui lui était réservée avec une assiette et on lui servait son, son repas. Comme ça, son âme, si jamais elle n'était pas montée au ciel, pouvait encore manger. Et donc, moi, j'ai vécu ces, ces incantations funéraires lorsque j'étais jeune. J'étais absolument émerveillé par ça. J'ai vu notamment l'enterrement de mon grand-père. J'ai vu ces vieilles femmes réciter ces incantations, c'était avec mes yeux d'enfant, mon regard d'enfant, Je trouvais ça, j'avais un sentiment de sacré qui était, qui était incroyable. Je, voilà, je, je disais quel respect pour, pour, pour le mort, quoi, qu et tout, tout lui était consacré pendant ces trois jours. D'ailleurs, il y avait aussi cette tradition, c'est-à-dire qu'on ne, ne balayait pas la maison pendant ces trois jours, de peur que l'âme du mort se soit accrochée à la poussière et euh, si on jetait la poussière dehors, ben à ce moment-là, l'âme était dispersée aux sept vents. La mort est très présente en, en Bretagne aussi parce que l'histoire de ce pays a été euh, très, très rouge, très, très violent, très sanglant. Parce que la, la Bretagne, était euh, au Moyen-Âge, était euh, un des pays les plus riches d'Europe, de, de par son sel notamment, parce que le sel était, euh, était vraiment l'or blanc à cette époque, et de par son lin. Son lin euh, ben, le lin qu'on utilisait pour faire, euh, pour faire les voiles. C'était un pays économiquement très riche et donc euh, très convoité à la fois par la France comme par l'Angleterre. Et aussi, euh, je pense que la mort est présente aussi en Bretagne parce que c'est une presqu'île. Beaucoup de bretons vivaient de, voilà, de la pêche, de la mer, et, euh, du commerce aussi par bateau. Et donc euh, nombreux étaient les navires qui, euh, là, qui sombraient en mer à cause de, de tempêtes. Donc enfant, je je vivais, euh, je passais beaucoup de temps à Santec, euh, donc dans le Léon. Et euh, le parler là-bas est très fort, très tonique, puisque le paysage est relativement sauvage. Donc euh, les gens, comme pour euh, se faire entendre dans le vent ou rivaliser avec la, la vague qui claque contre le rocher, donc souvent avait tendance à parler fort. Et moi j'ai baigné dans cette, dans cette musicalité de, de, la, de cette langue, de ce dialecte breton, enfant. Et plus des trois quarts de la population parlait encore breton à cette époque. Et donc partout où j'allais, j'entendais ces, ces gens parler breton. Et il y avait une musicalité dans cette langue qui était très différente du, du français et que j'ai associée directement à ce paysage préservé. Et quand j'ai appris cette langue, évidemment, c'était pour, pour moi naturel d'apprendre à chanter en breton et d'exister en Bretagne. Ce grand style, plusieurs grands styles de chant, dont celui de la Gouerz, qui est un style absolument unique au monde, et qui m'a tout de suite intéressé de par ses mélodies et de par ses textes aussi, qui sont absolument d'une poésie absolument époustouflante. La guerre d'abord, c'est un, il n'y a pas d'équivalent en français. Il y aura des gens qui vont tendance à tort de le traduire par complainte. La guerre n'est pas une complainte, euh, dans la mesure où la complainte euh, elle énonce un fait, un fait divers qui est arrivé, mais euh, terre, elle est attestée terre à terre. La notion, elle n'est pas très poétique non plus, forcément. Là où la guerre mettra beaucoup de métaphores, beaucoup d'images, des images d'ailleurs magnifiques, la guerre, elle énoncera un fait réel, mais elle y ajoutera toujours du fantastique. Je pense qu'il n'y a pas une guerre qui ne parle pas de la mort. Et souvent elle est, elle est incarnée sous forme de l'Encou. L'Encou, c'est la personnification de la mort, c'est l'incarnation de la mort chez les Bretons. Je pense que c'est une figure ancienne qui, qui remonte au druidisme et que la religion chrétienne a absorbé. Donc l'Encou, qui est un, pour le, pour le décrire, c'est un, 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 un squelette avec quelques lambeaux sur lui, quelques lambeaux de chair décharnée. Son visage est ombragé d'un grand un grand chapeau noir, il est vêtu d'une grande cape, noire elle aussi, et il porte une faux montée à l'envers. Euh, cette faux est donc destinée à, à faucher les morts et très souvent est, est en cou le dernier mort de l'année. Il existe de nombreuses, de nombreuses histoires sur l'encou, elles sont innombrables. Euh, l'encou, notamment quand on entend la, le chariot de l'encou, euh, on peut se dire euh, la charrette grinçante de l'encou, celle qui sert à porter les morts. On peut se dire que dans les, les quelques jours qui suivent, il y aura quelqu'un de la famille, un proche, qui va mourir. Celui qui entend l'encou ou sa charrette grincer ne meurt pas. Il n'est pas concerné. C'est quelqu'un de son entourage, un voisin, un ami, un ami très proche qui sera concerné. Moi-même, j'ai entendu sa charrette ici. Stéphanie et moi, nous avons acheté cette maison à une personne qui ne voulait pas, je, je pense pas, il au fond de lui, n'avait pas envie de la vendre. Donc il a été soulagé. Euh, parce qu'on lui, on lui a dit qu'on allait bien la. Voilà, c'est comme s'il nous laissait un animal, qu'on allait bien s'en <laughs> occuper. Et donc il est venu plusieurs fois après, quand on, il a vu qu'on avait planté des camélias, qu'on la restaurait bien. Il était très heureux. Donc il a lâché prise sur cette maison-là, mais elle était quand même dans son cœur. Et, euh, et moi, une nuit, donc, euh, je me suis réveillé en pleine nuit, il devait être 3 h du matin, avec un bruit épouvantable derrière la maison. Mais un bruit vraiment de chariot, vraiment, c'est le cas de dire, de crasement, mais pas un bruisement. Un bruit, un, un, je, comme je disais, un vacarme. Il ouais, se trouve que derrière, il n'y a, a pas de voiture, il n'y a rien, c'est un jardin et c'est la forêt. Et moi, je dis, ça, c'est pas normal, ce, ce, ce bruit. Et trois jours après, j'apprenais, il euh, y avait son, son fils qui m'adressait un texto pour me dire que son père était mort. C'est ce qu'on appelle un intersigne. Et on retrouvait les mêmes, les mêmes choses, notamment des cierges comme ça posés sur une cheminée qui d'un coup s'éteignaient comme ça. D'un coup, tous les deux, puis se rallumer, s'éteigner à nouveau, et se rallumer, et s'éteigner, et se rallumer, à l'unisson. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans toute la Bretagne. Et ça, généralement, quand on voyait ça, c'était annonce de mort. ennez bezed ora bluiam vondar bar dun san yanar bi ennez bezed ora bluiam ni la guerre est une forme aussi de Du fait qu'on parle de faits tragiques, qu'on parle indirectement de, de la mort, c'est une forme d'exutoire aussi. C'est une façon de pleurer. On pleure et après on, on se sent mieux en fait. La guerre a ce pouvoir un peu euh, cathartique d'arrêter le temps. C'est vrai que comme moi je chante une guerre, c'est comme si le temps s'arrêtait. C'est pour ça qu'elles sont si longues d'ailleurs. Il y a certaines guerres qui font, comme la guerre du tribunal Minoé qui fait euh, 140 couplets. Elles sont longues parce que justement, quand on les interprète, euh, voilà, on n'a plus cette, cette notion du temps, on est vraiment dans l'instant. Voilà, le thème est là aussi qu'un qu prétexte quelque part, euh, comme je l'ai dit, pour euh, voilà, exorciser des tensions, des angoisses qu'on peut avoir. Et d'un coup, ça, voilà, nos, on est réveillé, notre âme se réveille et euh, elle pleure avec ce chant. Et, Quelque part, ça nous fait revivre, ça nous rappelle qu'on est des êtres humains aussi, oui, sensibles et avec tout ce qu'on peut endurer, notre corps peut endurer, notre esprit peut endurer, toutes les souffrances physiques, psychologiques qu'on peut endurer, mais oui, tout ce chant-là, il vient là comme pour, euh, comme pour laver, comme pour laver tout ça. Là, on dépasse, là, on, est, on touche au sacré, je pense qu'on touche au sacré. Oui

Qui habitait de l'autre côté, de l'autre paroi. Il avait sa, son, son, voilà, sa maison de l'autre côté. Et quand il, a, il avait besoin, il était assez âgé, quand il avait besoin de quelque chose, il tapait à la paroi comme ça, avec son, son, son penne-brasse, comme dit son, son bâton. Alors on allait voir qu'est-ce qu'il avait besoin, lui. Alors souvent, il avait besoin à boire ou à manger, ou je sais pas. On lui donnait ce qu'il avait besoin. Et là, cette nuit-là, on avait, en plein milieu de la nuit, on entend cogner. On entend cogner, on se dit tiens, c'est bizarre, à cette heure-ci, il cogne. Et euh, donc on va voir. Et quand on va voir, elle était étendue sur son lit de mort. Et euh, le médecin, lorsqu'il est venu le, le lendemain, il a dit Mais cet homme-là est mort depuis déjà. Euh, il n'est pas mort la nuit, il était, il était mort déjà. Euh, au moins 10 heures avant, quoi. Encore un autre intersigne c'est l'arrière-grand-mère de, de Stéphanie, ça lui est arrivé. Elle était en train de dormir la nuit. Et son, son, son mari était pêcheur. Elle s'est réveillée en pleine nuit et elle a vu le corps de son mari. Comme ça, flotter au-dessus d'elle, au comme s'il était euh, voilà, dans, dans l'eau. Et elle a été complètement épouvantée. Et euh, elle s'est dit "Ça y est, ça c'est un intersigne, mon, mon mari a dû être, lui, est arrivé quelque chose en mer." Et trois jours après, à nouveau, il y a les, les gendarmes qui sont venus euh, frapper à sa porte et qui l'ont dit "On est venu, on est venu nous vous annoncer." Elle, leur, elle les a interrompus. "Oui, je sais que mon mari est mort. Il est mort noyé." Et les gendarmes ont dit, oui, c'est ça. Il a été pris dans une tempête et il est mort. C'est sûr qu'aujourd'hui, notre œil s'est fermé, notre regard s'est fermé. Mais autrefois, les gens savaient regarder. Ils regardaient aussi, chaque signe était. Ils avaient un sens de l'observation accru que nous, on a perdu, parce que nos sens, maintenant, sont occupés à autre chose. L'intuition aussi. Le breton est quelqu'un de très intuitif, comme le celte en général. Euh, beaucoup plus, je pense, que le latin. Le latin est plus intellect, il travaille plus par l'esprit, il est plus mental, cérébral. Le breton est et le celte, comme les gallois, les, voilà, c'est plus dans l'imaginaire. D'ailleurs, la, la euh, personne qui a, qui a écrit Harry Potter, c'est Joanna Rowling, c'est une écossaise. Et donc, tout ce qui est invisible, tout ce qui vient de l'au-delà, si le, le breton a un œil ouvert sur, cette, sur ce monde qu ne, qui n'est pas, pas physique. Je me suis vu des fois écrire euh, euh, des guerres, ça me vient comme ça, des guerres de, de 40 couplets en une journée, avec en octosyllabes et en rimes, et les vers me viennent comme ça. Et je pense que moi je ne suis qu'un trait d'union entre ce qui est quelque chose de plus haut que moi, quelque chose qui vient du haut, de céleste. Le divin, ce qu'on appelle le divin. Je ne suis qu'un trait d'union entre cette voix qui est au-dessus de moi et, et tout ce qui vient au-dessus de moi est canalisé par, euh, voilà, par mon esprit et euh, retranscrit sur, euh, sur papier. Et vocalement aussi, quand je chante aussi, c'est un petit peu pareil. Quand je chante, quand j'exprime une émotion, les gens parfois viennent me dire ah oh, j'ai été ému aux larmes, etc. train on que vous écoutez écoute, chanter tel ou tel chant, mais moi je dis c'est pas forcément moi, c'est qui, qui le fait. c'est

La eden des dar a fawenis l'akide no feren bemis en no Essaye d'avoir un rapport sacré à la nature, comme les comme les vieux Celtes avaient, comme les, voilà, comme les chrétiens ont pu avoir aussi hein, ou ont toujours. C'est vrai que la nature c'est vraiment notre c'est notre mère nourricière. Sans la nature on n'est plus rien. Est, nous sommes une partie intégrante de la nature. C'est pour ça que j'aime beaucoup aller euh, dehors quand il y a la tempête. Les gens restent chez soi, euh, ils ont peur de la tempête, ils ont peur du froid. Moi j'aime bien quand les éléments sont déchaînés. J'aime bien sortir parce que ça me met en danger et ça et ça ça rappelle ce que je suis. L'homme aujourd'hui s'est coupé de la nature et se croyait supérieur, mais on s'aperçoit de plus en plus qu'il qu a tort, qu'il s'est trompé. er perikoz <tries> treugen er ma